Le docteur Odion, c'est bien vous? Eh bien, moi. Mais vous êtes bien le médecin-chef du sanatorium? Oui, je suis bien le médecin-chef du sanatorium. Je ne comprends pas pourquoi vous riez. Non, à vrai dire, moi non plus, je comprends pas. Alors, pourquoi vous continuez? Ah ben, vous voyez, c'est fini. J'arrête, je ne ris plus, je vous écoute. J'ai frappé à la porte de votre bureau. Sans réponse. Ah, évidemment, vous n'y étiez pas. Mademoiselle Velta, l'infirmière de service, m'a alors conseillé de vous chercher dans le jardin. Ah, non, mais c'est pas une petite affaire de vous trouver. Excusez-moi, mais quand j'ai un instant de liberté et qu'il fait un grand soleil comme aujourd'hui, je m'installe dans le jardin pour travailler à mes dossiers. Voilà, c'est tout. Ah. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous auriez pu y penser plus tôt. Oui, vous avez sans doute raison, mais ça m'est pas venu à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en vous voyant, j'ai été surpris. De quoi? Je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas vous le dire moi-même, mais j'ai été très surpris. C'est drôle. J'ai même l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Mais pourquoi vous taisez-vous? Ah, je suis censé dire quelque chose. Pourquoi m'avez-vous convoqué? J'ai quelques précisions à vous demander. Est-ce bien pour vous reposer que vous êtes venu dans notre sanatorium? Pour me reposer, oui. Vous devriez le savoir, mieux que quiconque. Oui, rappelez-moi votre nom. Gerber. Lydia Vassilievna Gerber. 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 À la fameuse. La fameuse? Non, mais... Dans quoi la fameuse? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par la fameuse? Oui, dites-moi, vous avez convoqué pour 10 heures du matin, et si ma montre marche bien, il est 2 heures de l'après-midi. Eh bien, je suis là, et c'est l'essentiel. Oui, bien sûr. Enfin, pourquoi n'étiez-vous pas là à 10 heures du matin? À 10 heures, je donne du pain aux mouettes. Oui, ça, c'est une raison. Mais enfin, aujourd'hui, exceptionnellement, vous auriez pu les nourrir un peu plus tard, non? Non. J'aurais manqué aux décisions prises. Prises par qui? Par moi. Je me fixe des points de repère dans la journée et j'entends m'y tenir. Oh, dites donc, cet arbre-là, comment il s'appelle? Ça, c'est un marronnier. Et celui-là, là-bas? Un acacia. Oh, et le petit, là, avec ses grappes jaunes. Un citiz. Un citiz. Un citiz. Quel joli nom. Alors non, c'est un marronnier, un acacia et un citil. Alors voyez-vous, je suis une citadine. Alors ici, il faut que je reprenne contact avec la nature. Cet an dernier, j'ai vécu un peu seule. Alors il m'arrive de comprendre le nom des arbres, des fleurs, enfin bon. Non, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Pourquoi vous ne dites rien? Vous me regardez, vous me laissez parler, vous vous taisez. Vous avez une mauvaise nouvelle à m'apprendre. Mon électrocardiogramme est mauvais, mes analyses de sang. Ou quoi encore que j'ignore, allez, allez parler. Dites-moi la vérité, ne me cachez rien. Pour l'instant, il n'y a aucun signe alarmant. Vous commencez une cure et j'ai tout lieu de croire qu'elle vous sera bénéfique. Non, non, mais c'est de toute autre chose que j'ai à vous entretenir, Madame Gerber. Voyez-vous, notre sanatorium n'est pas un hôtel. Ni même une maison de repos. C'est un établissement médical où nous traitons nos malades, et tout d'abord en leur assurant une tranquillité absolue. Nos grands impératifs sont le calme et le silence. Bah, néanmoins... Oh, je vous écoute avec grand intérêt, docteur Rodion. Néanmoins, depuis votre arrivée, et pratiquement chaque jour, je reçois des plaintes. À mon sujet? Enfin, vous êtes chez nous depuis 6 jours, on m'a déjà transmis 5 réclamations. Non, vous savez, notre établissement n'a jamais accueilli une malade aussi horrible. Oh, je vous arrête, hein? Quoi?
suis pas une malade. Ce terme ne s'applique pas à moi. D'abord, il mérite. Il me... Non, il me prive de mes moyens. Y compris celui de m'exprimer. Oui, bon, ça, je regrette. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est le règlement. Oh, y a que les imbéciles qui inventent des règlements. Non, mais dites donc, permettez, hein. Et que me reproche-t-on? Tout d'abord, de troubler le sommeil de vos compagnes de chambre. Moi? Oui. La nuit, quand les autres dorment ou essaient de dormir, il vous prend la fantaisie de réciter des poèmes à haute voix, par exemple. Les gens n'aiment pas la poésie, c'est navrant. Ben non, ils préfèrent ronfler. Savez-vous que ma voisine de droite, que je ne nommerai pas par courtoisie, ronronne toute la nuit comme un camion, et que ma voisine de gauche, que je ne nommerai pas toujours par courtoisie, grogne à tel point que mon vase de fleurs vibre au-dessus de ma tête. Je ne proteste pas. Je ne dénonce pas, moi. J'écoute stoïquement leurs conseils, sans broncher. Oui, ben admettons. Mais je lis également dans le rapport qu'avant même que le jour se lève, vous vous mettez brusquement à chanter. Oh. Ce qui réveille votre entourage. Oh, mais qu'il pleut, je ne chante pas. Oh non, l'idée ne m'en viendrait pas. Mais comment voulez-vous s'empêcher de chanter quand le soleil se lève sur la baie et illumine la mer à l'aube d'une belle journée d'été? D'ailleurs, je chante, mais à mi-voix. Non, mais jugez vous-même. Non, mais vous chantez très bien, mais il faut tenir compte des gens qui ont le sommeil léger. Les réveiller à l'aube, même par beau temps, c'est une preuve d'égoïsme. C'est une preuve d'altruisme, hein? Mais il faut apprendre à rester éveillé et attentif. Savez-vous que mes voisines n'ont jamais vu, non mais vous m'entendez bien, elles n'ont jamais vu le lever du soleil, pas une seule fois. Enfin, c'est un spectacle à vous couper le souffle. Oui, non, mais c'est, je suis tout à fait de votre avis, mais comment justifiez-vous ce besoin de sauter par la fenêtre qui vous prend la nuit? Et le pire, c'est qu'il vous faut quelquefois une heure ou une heure et demie avant de regagner votre lit. Eh bien, cette absence traumatise vos compagnes de chambre. Oh, ça n'arriverait pas si mademoiselle Velta, l'infirmière de nuit, ne fermait pas à clé la porte du dortoir. Ah, mais comprenez-moi bien, je suis une citadine, alors ici, je ressens l'appel de la nature et puis j'ai envie de m'évader. Et voilà comment je me retrouve dans le jardin, en extase devant le clair de lune. Ou quelques instants après, sur la plage, marchant au bord des vagues. Ah, c'est ce que je redécouvre ici. Cet air du large que je respire, tout cela me met dans un état d'exaltation. Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça. Évidemment, ça ne vous intéresse pas. Depuis une demi-heure, vous n'arrêtez pas de puiser des bonbons dans cette boîte pour les sucer d'un air absent. Eh bien, docteur Rodion, sucez-les en paix, vos bonbons. C'est sans doute la seule activité dont vous soyez encore capable. Non, mais vous ne trouvez pas que vous dépassez les bornes, là? C'est à ma décharge que quand je saute par la fenêtre, je veille à ne pas abîmer le matériel de l'administration. Pardon, mes informations affirment le contraire. La nuit dernière, vous avez renversé 3 bouteilles de lait qui se sont brisées. Ah oui, le bruit a réveillé non seulement votre dortoir, mais tout le rez-de-chaussée du pavillon. Je regrette, docteur Rognon, vraiment je regrette. La prochaine fois, je ferai très, très attention. Vous savez, il est vraiment très difficile de parler avec vous, hein. Beaucoup de gens me l'ont dit. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pleine de bonne volonté, vous savez. Non, alors écoutez, prouvez-la, cette bonne volonté. Non, mais vous avez à un degré étonnant le don de foutre la pagaille. Oui, mais c'est normal. Je marche avec mon temps, moi. C'est tout, docteur? Non, j'ai d'autres questions à vous poser. Afin de mieux connaître mes clients, je leur fais distribuer à leur arrivée ici un petit questionnaire complémentaire. Et alors là, vos réponses me laissent perplexe. À la demande. Indiquez votre âge. Pas de réponse. Un tiré. C'est une question qui manque de tact. Surtout s'adressant à une femme. Non, j'allais la formuler autrement. Est-ce que je tiens, moi, à savoir quel âge vous avez? Ça, si vous y tenez. Et contrairement aux femmes qui en font mystère, je vous déclarerai franchement que j'aurai bientôt 65 ans. Oh!
Oh, bah, dites donc, alors ça, c'est drôle. Ah, ça, je vous aurais donné moins. Ah, vous les faites pas. Vous trouvez? Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Non, je sais bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais j'aime votre franchise. Et je vais vous donner une preuve de la mienne. Je n'ai pas encore 80 ans. Je frôle la soixantaine. J'espère que cette précision vous suffit. Non. Mais enfin, passons. À la question « Indiquez votre profession », vous avez écrit, de manière presque illisible d'ailleurs, « Je travaille dans un cirque ». Eh bien oui, c'est là que je travaille, dans un cirque. Soit, mais enfin, quel est votre métier? Qui faites-vous dans ce cirque? Non, mais vous estimez que ma réponse facilitera la lecture de vos radiographies? Qu'elle activera la guérison de mon artériosclérose que vos médecins ont diagnostiquée et dont je n'ai d'ailleurs jamais souffert. Je vous préviens que ma patience a des limites et vous commencez à me taper sur les nerfs. Hein? Alors, Madame Gerbert, votre profession, qui faites-vous dans ce cirque? Le double saut périlleux, vous dansez sur un fil, vous crachez du feu, vous avalez des grenouilles. Votre curiosité malsaine vous tuera. Non. Je suis... illusionniste. Vous êtes satisfait? J'en suis pas sûr. Enfin, passons, admettons. Admettons que vous soyez illusionniste. Illusionniste, au moins ça, c'est clair. Ensuite, à la question d'état civil, vous avez laissé la réponse en blanc. Êtes-vous, oui ou non, marié? C'est une question qui demande réflexion. Êtes-vous, oui ou non, marié, hein? Oh, votre intérêt me touche. Je suis flattée. Eh bien, non, décidément, je ne suis pas mariée. Vous êtes rassurée? Pas d'autres questions? Eh bien, docteur Rodion, permettez-moi de vous dire que c'est mes réponses ont le don de vous exaspérer. Vos questions à vous ont le don de m'ennuyer, hein, mais de m'ennuyer prodigieusement. Oh, je les trouve belles, vos questions. Quoi? Bêtes et déplacées. Non, mais dites donc. Et d'abord... Vous devriez les formuler en blouse blanche, vous m'entendez? Hein? En blouse blanche? Non, pas dans ce costume fripé. Quel est le manque à bouton? Quelle honte! Vous convoquez pour une conversation sérieuse et vous n'arrêtez pas de sursauter des bombes. Mais... C'est un médecin-chef soviétique, ça? Oh! Je ne vais plus vous voir. Bon, voilà, mes bonbons de vie dépèse. Non, mais suçons des bonbons pour m'éviter de fumer. Ah. Oui. Et aussi pour garder mon sang-froid devant les agités de votre espèce. Alors maintenant, Madame Gerbert, vous allez répondre sérieusement à mon questionnaire, sinon je vous expulse du sanatorium. Vous m'entendez? Je vous fous à la porte. Oh, cessez de hurler ou j'appelle la police. Je ne supporte pas la grossièreté. Non, mais... Oh. C'est un drôle de numéro, ça. Oh. Ah non. Je suis contente de vous trouver ici. Oh, c'est gentil de votre part. Gentil, qu'est-ce que gentil? Eh bien, d'être là, à m'attendre. J'adore les nouvelles connaissances. Elles sont tellement plus intéressantes que les anciennes qui rabâchent toujours la même chose. Avec les nouvelles, on découvre toujours quelque chose d'inattendu. De drôle, parfois. Tenez-vous, par exemple. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois avant-hier. Ah, nous avons eu une conversation si charmante. Eh bien, depuis, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Ben, c'est vrai. Pourquoi écarquillez-vous les yeux comme ça, docteur Rodion? Si, moi, j'écarquille les yeux? Oh oui, vous battez des paupières comme une poule. Décidément, vous êtes une personne tout à fait imprévisible. Hein? Ça, beaucoup de gens me l'ont dit. Et quel mal y a-t-il à cela? Je suis comme le soleil. Quand les nuages s'écartent, ils brillent, ils réchauffent.
Aujourd'hui, moi, j'aime tout le monde. Oh. Décidément, tout le monde. Même vous. Oh, ça va pas, mon bon ami. Mais non, j'ai avalé de travers, là. Ah, vous aimez trop les gâteaux. Et ben, vous êtes toujours fourré dans cette pâtisserie, hein? Non, mais ça, je dois reconnaître franchement que les brioches au pavot ici sont irrésistibles. Mm. Il y a longtemps que vous vous êtes arrêté de fumer. Une quinzaine d'années environ. Si vous vous remettiez à fumer, vous pourriez peut-être vous débarrasser de cette habitude de sucer des bonbons. Oui, vous avez sans doute raison. Dans ce foutu monde, un problème doit toujours céder le pas à un autre. Oh oui. Tenez, en passant devant la pâtisserie, je vous ai aperçu tout seul à votre petite table. Avec votre brioche à la main. J'ai été soulevée par une vague de compassion. Oh, de compassion, pourquoi? Non, en vous regardant, je me disais, quel malheur secret vient pu le frapper pour qu'il en soit réduit par un soir pareil à venir se réfugier tout seul dans son coin avec son gâteau et son café noir, noir, noir. Oh, écoutez, vous exagérez, tout ne va pas si mal. Non. Et puis c'est merveilleux. Aujourd'hui, moi je ne veux voir autour de moi que des visages épanouis. Et pour vous maintenir de bonne humeur, je vais vous offrir une autre brioche au pavot. Ah non, 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 je vous en prie. Allez, pas de brioche, ça suffit. Hein. J'en ai assez. Ce matin, j'ai reçu une lettre de mon mari. Il est au bord de la Caspienne. Oh, il m'écrit des choses extrêmement curieuses. Par exemple, qu'il y a là-bas beaucoup de poissons. Pardon, excusez-moi, mais avant-hier, vous m'avez dit que vous n'étiez pas mariée. Moi? Je vous ai dit cela? Ah oui, ça j'en suis sûr. Et vous vous en êtes souvenu? Bon, faut que je l'ai même noté. Vraiment? Je devais être furieuse contre lui, alors je l'ai rayé de ma vie. Ça m'arrive quelquefois. Oh, tout ça est la faute de mon caractère imprévisible. Oh non, mais au sujet de mon mari, rassurez-vous, il m'aime beaucoup. Enfin, jusqu'à présent. Il lui arrive même de m'envoyer des babioles, des petits cadeaux. C'est un homme merveilleux, un vrai. Oh, excusez-moi. Ce que je vous raconte ne semble pas vous amuser. Oh, si, au contraire. J'en suis ravi pour vous. Vous m'envoyez tout ému. Il y a peu de vrais hommes, n'est-ce pas? La plupart du temps, ils sont inconsistants. Pas de muscles, pas de caractère. Parfois, on scrute l'homme qui est là, en face de soi. Et on se dit, mais comment t'arranges-tu, mon bonhomme, pour être si gris, si terne, si rasoir? Alors ça, si vous croyez que les femmes nous inspirent des réflexions plus excitantes, vous vous faites encore des illusions. Hein. Je ne vous suggère rien d'exaltant, rien d'agréable, jamais. Non, jamais. Oh. Ça, en tant que médecin-chef du sanatorium, j'ai vu défiler des milliers de femmes. Mm. Honnêtement, je veux bien admettre qu'il a pu se produire une ou deux exceptions. Ah, ah. Oui, tenez. Le mois dernier, par exemple, l'une d'elles m'a frappé sur le moment. Une apparition surprenante. Eh bien, je n'en ai gardé qu'un seul souvenir. Elle avait les cheveux bleus sous son foulard. Oh, bleu. Ah oui, bleu. Ah, ça, je le jure. Hein. Des cheveux lilas ou roses, j'en ai vu sur une bonne douzaine de têtes féminines, mais de ce bleu-là, intense, couleur corbeau. Alors ça, jamais. Et leurs accoutrements. Mini, maxi, midi. Et les pantalons bouffants, longs, courts, larges, non. Non, dans les années 20, les femmes portaient des vestes de cuir comme nous, les hommes. Et elles étaient belles là-dedans. Les vestes de cuir sont toujours à la mode. Oh, c'est très saillant le cuir. Mais non, mais ce ne sont pas les vestes de cuir d'autrefois, pas du tout. Ce sont d'autres vestes qui n'ont rien à voir, aucun rapport. Oh, allons. Il faut vivre avec son temps. Ah. Chaque époque a sa mode. Mmh. Aujourd'hui, une femme se doit d'être soignée. Elle est gantée, le cuir. Agréable à regarder, en tout cas. Elle ne doit jamais renoncer à plaire.
Ah, ça, c'est une conception douteuse, hein, extrêmement discutable. Et vous vous affublez toutes de quincaillerie, de bimbloterie. Tenez, cette chose que vous avez sur la tête, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'une jeune fille se permette de pareilles fantaisies, pense encore à la rigueur. Mais vous n'êtes plus une jeune fille, hein. Et depuis un certain temps. Alors je vous le demande, qu'est-ce que c'est que ce machin-chose, ce truc-là? Ça n'a pas de nom, ça. Ce truc, ce machin-chose, il va très bien à ce béret. Ah. Parce que c'est un béret. Docteur Rodion ne vous déplaise, un béret de haute couture. Ah, c'est ça qu'on appelle un béret de haute couture. Ben moi, je le trouve prétentieux, effronté et ridicule. Prétentieux, effronté et ridicule. Et pourquoi vous en êtes affublé, hein? Pour plaire, pour séduire quelqu'un. Ah, Madame Gerbert, vous feriez mieux de veiller à la tranquillité de votre âme. Qu'est-ce que l'âme a à faire avec mon béret? Quel rapport? Et d'abord, vous vous trompez, docteur Odion. Une femme se doit d'être séduisante jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle. Comme si on avait besoin de la beauté d'une femme allongée dans son cercueil. Non mais quelle stupidité! Je savais que vous n'aviez pas de tact. Eh bien, je sais maintenant que vous n'avez pas de cœur. Et vous me traitez de vieillard par-dessus le marché. Non, j'ai pas dit ça. C'est exactement ce que votre discours signifiait. Mais non, vous n'êtes pas vieille. Ouais, je suis jeune, peut-être. Vous n'avez pas honte de remplacer un mensonge par un autre? Ah, écoutez, je pourrais jamais discuter avec vous. Et de quoi pourrions-nous discuter tous les deux? Vous n'aimez pas mon béret, vous me traitez de vieille coquette, tiens. Vous feriez mieux de surveiller votre propre tenue. Mais non seulement il vous manque toujours un bouton, mais il y en a un autre là, qui pendouille au bout de son fil. Je vous en prie. Votre femme ne fait pas très attention à vous, dites donc. Je regrette, Madame Gerbert, je suis célibataire. Vraiment? Oui. Voyez-vous, je ne suis pas marié. Raison de plus pour être soignée. Enfin, vous n'avez pas quelques bonnes amies qui s'intéressent assez à vous pour recoudre vos boutons? Écoutez, une fois pour toutes, mettons les points sur les i. Mon travail m'absorbe entièrement. Et je n'ai pas un instant à perdre avec les femmes. Elles me laissent froid, toutes, sans exception. Oh, médecin-chef dans un endroit pareil et célibataire. Et vous n'en avez pas profité? Mais je suis sûr que vous avez collectionné les aventures. Oh, quelle sorte d'aventure! C'est naturel. Non, mais vous n'êtes pas si mal de votre personne. Avec un petit peu de soin, vous pourriez même devenir séduisant. Séduisant, je vous en prie, Madame Gerbert. Enfin, de quoi avez-vous peur de plaire? Vous ne savez pas que l'amour embellit, surtout les hommes d'ailleurs. Mais où allez-vous chercher tant de lieux communs? Là, vous devenez vulgaire. Hein? Parlez d'amour, vous parlez vulgaire. Vous ne croyez pas à l'amour, ni à la parole. Écoutez, taisez-vous. Votre ton, vos propos, cette conversation m'exaspère. Il y a certains sujets qu'il faut s'interdire d'aborder. Mmh. Oui, surtout avec cette frivolité. L'amour, pour moi, c'est sacré. Et intimement secret. Je vous en parle comme un homme qui a été marié. Oh! Et qui n'a jamais aimé d'autre femme que la sienne. Pourquoi une autre? C'est elle que je l'aime. Et depuis, rien. Quel gâchis! Je vous en prie, Madame Gerbert, arrêtez. Hein. Je tiens tout de même à vous dire qu'il n'y a rien que je déteste tant chez une femme que la vulgarité et le cynisme. Oh. La liberté de votre comportement et vos propos me choquent profondément, Madame Gerbert. Et vos bonbons que vous oubliez, que deviendriez-vous sans vos bonbons? Ils sont là sur la table. Madame Gerbert, nous n'avons rien en commun. Nous aurons beau faire, il y aura toujours un mur d'incompréhension entre nous. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous limiterons exclusivement nos entretiens à venir aux seuls examens médicaux et aux exigences thérapeutiques. Exclusivement. Oh. Il va très bien, ce béret. Oh. Quel ostrogo. Thank you.
Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez là? Oui. Oui, j'étais assis derrière vous, au 12e rang. Je n'ai pas remarqué. Bon, ça ne me surprend pas. Vous sembliez tellement absorbé par la musique. Vous pleuriez. Mais pourquoi êtes-vous parti? J'avais ma dose. De quoi? De tout. Reprenez-vous. Oh, mais je pleure pas! Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi aujourd'hui? Je ne sais pas. Eh ben moi je sais. C'est la musique. Pourquoi avez-vous quitté la cathédrale? Mais j'avais remarqué que vous n'aviez pas d'imperméable ni de parapluie. De l'importance. Vous auriez pu être surprise par la pluie. Vous voyez bien qu'elle s'est arrêtée. Oui, ma femme peut revenir. Vous prenez votre parapluie pour écouter de la musique dans une cathédrale. Oh, quel homme prévoyant. Vous aimez l'orgue? Hein? Je sais pas. J'ai jamais pensé. Oh. La dernière fois que j'ai entendu le son de l'orgue, c'était... il y a plus de 20 ans. Ah, le temps file devant nous. Il ne prend pas la peine de le saisir. On se contente de vieillir sans même s'en rendre compte, sans regarder autour de soi, sans écouter, mais c'est affreux. Enfin, ce soir, j'ai entendu un concert d'orgue dans la cathédrale. C'est tout de même un progrès, non? Dès les premiers accords, j'ai fermé les yeux et je me suis revue comme dans un film. Petite fille à 5 ans. Courant dans le bois derrière notre maison pour essayer de rattraper une oie qui s'enfuyait. Regardant la pluie tomber sur un cerisier en fleurs, et léchant les gouttes de pluie qui ruisselaient sur mes joues. Moi, je viens souvent en concert. Alors, pour un rouble, on est comblé. Dans cette vieille église, personne ne vient gâcher mon plaisir. Les mélomanes de mon genre sont plutôt rares ici. Pourquoi êtes-vous si méprisant avec les autres? Ah, ça y est. Ça y est, il recommence à pleuvoir. À peine. Ah, si, allez, allez, j'ouvre mon pas. Ben non, oh, mettons-nous à l'abri. La vieille ville, la nuit, la citadelle, comme on disait autrefois. Je n'aime pas tourner le dos à la mer. Mais en montant vers la vieille ville, c'est vrai. C'est agréable de se promener autour des petites maisons quand la nuit tombe. Seriez-vous romantique? Non, je suis caissière. Quoi? Caissière, non mais vous avez bien entendu. Non mais, dans mon questionnaire, vous avez déclaré que je travaille dans un cirque. Ah bien oui, c'est là que je travaille, dans un cirque, à Moscou, comme caissière. Ah, je ne crache pas du feu, je ne marche pas sur un fil, je n'avale pas de grenouilles, je ne suis pas illusionniste, je suis caissière. Ça vous déçoit que je sois caissière? Pas du tout, ça me surprend. Non, c'est moins glorieux d'être sur la piste, mais... vendre des billets, c'est aussi une sorte de tour de passe-passe. La plupart de mes clients sont des gamins. Et puis quand il n'y a plus de place et que je les vois pleurer, je me débrouille toujours pour leur dénicher un petit coin. C'est nous, docteur Rodion, on est sûr de s'amuser. Mais, il paraît. Ah, moi, vous savez, je ne suis pas un habitué du cirque. Hein. J'en vis très éloigné. Oh, ben, si vous venez à Moscou, je vous donnerai un billet. Deux, si vous voulez. Ah, bah, je vous remercie. Moi aussi, j'aurais bien besoin de voir des clowns. Hein. Ah, les clowns. Les soldats du merveilleux, comme disais-je. Eh ben, je ne sais plus qui. Ah, le monde du cirque. Quelle leçon ils nous donnent chaque jour. Et puis moi, je vis avec ces gens-là. Enfin, à côté d'eux maintenant. Et puis j'ai des obligations syndicales, je participe à des votes,
Je représente ma profession. C'est une responsabilité. Alors, aussi pas une vie ennuyeuse, vous savez. Le soir, quand on rentre dans sa chambre, oh, le silence, le désert. Ben, et votre mari? Il est en voyage. Enfin, il vous arrive tout de même de vous rencontrer de temps à autre. Oh, vous savez, c'est un artiste très célèbre, très sollicité, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Ah oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit. Moi, je vous l'ai dit. Oh, sans doute. J'ai toujours envie de partager ce que je ressens. Alors je parle à tort et à travers, et puis après, je le regrette. Oh, dites-moi, docteur Rodion. Il y a longtemps que vous habitez ici? Ah, je m'y suis établi tout de suite après la guerre. Et avant? Je suis né et j'ai passé une grande partie de ma vie à Leningrad. Oh, Leningrad! Oh, c'est une belle ville. Ah. Les canaux, les palais sur la Neva, je l'ai visité. J'aurais voulu y vivre toujours. À l'époque, pour moi, c'était la plus belle ville du monde. Ah, maintenant, c'est plus ça. Et ici? Vous avez toujours vécu seul? Seul? Quelle idée, non? Non, ma fille vient me voir souvent. Elle doit arriver bientôt, elle m'a télégraphié. Sa chambre est toujours prête. Ah, vous savez, j'ai une jolie maison ici. Avec un jardin, des fleurs, des framboisiers. Ça me prend beaucoup de temps. Je me suis découvert une passion pour le jardinage. Ça occupe une passion. Imaginez ça, des fenêtres de la chambre de ma fille, on domine la mer. Et souvent la nuit, quand j'arrive pas à dormir, je monte dans sa chambre, j'ouvre la fenêtre, je m'accoude et j'écoute le bruit des vagues. Je ne pense à rien, j'écoute la mer. Et vous la supportez, vous, votre solitude? Ma solitude? Mais je suis très entouré, oui. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Beaucoup trop, pour mon goût. Et puis, ma vie est pleine de rencontres passionnantes. Alors, vous voyez comme vous pouvez vous tromper, Madame Gervais. Oh, voilà, vous vous êtes encore vexé, docteur Rodion. Ben non. Mais si, je vous ai vexé. Mais non, vous ne m'avez pas vexé. Mais j'aurais dû me rappeler qu'entamer une conversation avec une femme mène inévitablement à l'impasse. Mais qu'est-ce que vous avez contre ces pauvres créatures que sont les femmes? Discuter avec une femme, c'est prendre de l'eau avec une passoire. De primo, en tant que malade, elles sont insupportables. Mieux vaut traiter 10 hommes qu'une seule femme. Secondo, oui, enfin, secondo, c'est mon affaire. Et tertio? Tertio, c'est encore mon affaire. Et avec votre femme? Vous étiez toujours aussi aimable, aussi bout en train. Vous préférez ne pas répondre, hein? Ma femme était un être exceptionnel. Exceptionnel. Elle vous a quitté. Mais voilà. Voilà, c'est ça. Elle m'a quitté. Oh, quel malheur. Elle est partie. Et depuis? Vous n'avez jamais aimé personne? Oh si, une fois, une très triste fois. Je m'étais mis dans la tête de me remarier. Et alors? Oh, ça a été affreux. Absolument affreux. Mais pourquoi? Mais non, mais c'est une histoire absurde, inutile. Pas évidemment. Après un grand amour, tout paraît absurde et inutile. Dites-toi, il recommence à pleuvoir. Ah oui. Et puis sérieusement, cette fois. Si on se mettait à l'abri. Mais je vous assure que la pluie me vient. Non, mais vous risquez trop de froid. Je vais vous être une femme étonnante. Oh, ouvrez votre parapluie, bon sang, on va être trempé jusqu'aux os. Est-ce que vous êtes empoté? Allez. Ne me bousculez pas comme ça. Je vais finir par le coincer. Ah, bah ça y est, ça devait arriver, ça. Aidez-moi, tenez-le. Je le tiens. Allez. Voilà. Ah, ben on est mieux ainsi, hein? Vous êtes rassurés? On est pas mal sous un parapluie. C'est agréable de trouver un abri là où il n'y en avait pas. Hein? Autrefois, moi j'adorais la pluie. Je trouvais ça bon, rafraîchissant. Oh, je sautais dans les flaques d'eau. Dès que la poussée les passants, je me mettais de l'eau juste en dessous. Et
bien maintenant. J'ai peur d'avoir froid aux pieds. Oh. J'ai peur d'attraper un rhume. J'apprécie la protection d'un parapluie. Oh, j'en ai un peu honte. Y a pas de quoi, là. Hein. Si on cassait le parapluie... Hein? Non, vous n'y pensez pas. Ne plus être à sa merci. À la merci de quoi? La vieillesse, c'est elle l'ennemi. Allez, jetons-nous dans la mer, tête nue, comme si nous étions jeunes. Non, mais... Cassons ce parapluie. Donnez-moi ça. Je vais le casser, ce parapluie. Non, mais qu'est-ce que vous avez? C'est rien, c'est pas grave. C'est un étourdissement, ça m'arrive quelquefois. C'est le cœur? Oh, il n'y a personne pour venir mais à notre secours. Non, pas de panique, ça va passer. Comment vous appelez-vous? Madame Gerbert. Mais non, pas ça. Votre prénom. Lydia Vassilievna. Lydia. Lydia. Oh, c'est humide par terre. Mais non, j'ai mon imperméable. Ça va mieux? Pas encore, mais ça va pas tarder. La pluie a cessé? Ben oui. Et où est passé mon parapluie? Oh, rassurez-vous, il est là, échoué dans une flaque d'eau. Vous l'avez cassé? Non, j'ai pas réussi. Ah. C'est solide, hein, bon pépin. Ah, ben, je suis content, ça. Je suis content de ne pas avoir perdu mon parapluie dans la bagarre. Ah, puis je commence à me sentir mieux. Oh, regardons un peu le monde autour de nous. Ah, que c'est bon de vivre, Madame Gerbert. Oh. Pardon. Lydia. En ville. Et brusquement, je me suis trouvée devant la grille de l'hôpital. Comme j'étais là, je voulais prendre de vos nouvelles. Non, je veux dire, bon, n'est-ce pas de ma faute si on vous a transporté ici depuis 4 jours, je m'interroge. Non, écoutez, rassurez-vous. Primo, vous n'y êtes pour rien. Secondo, le cœur joue parfois de mauvais tours, même aux médecins, hein, vous avez pu vous en rendre compte. Et tertio m'a prescrit quelques jours de repos et de soins, c'est tout. Et voilà, rassurez. Et vous voilà presque guéri. J'ai jamais été malade. Alors, par conséquent, on ne peut pas parler de guérison. Non. En fait, je fais très bien. Et d'ici 2-3 jours, j'aurai repris mon travail. Tant mieux. Oh, vous n'auriez pas quelque chose pour mettre ce petit bouquet? Je l'ai acheté à un fleuriste ambulant, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais pu résister à un petit bouquet. Je vais trouver un vase, Madame Gerbert. Lydia. On s'occupe bien de vous, moi, ici. Oh. La nourriture, elle est convenable? Oh, vous savez, on ne peut pas prétendre une nue gastronomie. Ah. Non, c'est de la nourriture d'hôpital. Un peu fade. Bon, enfin, il y a longtemps que j'y suis fait. Vous ne voulez pas goûter à mon bouillon de poule? Je l'ai préparé ce matin. C'est Mademoiselle Velta, notre infirmière, qui m'a donné un coup de main. Eh oui, j'ai la permission de traîner dans les cuisines maintenant. Elle m'a tout à fait adopté. Nous échangeons des recettes. Et même des recettes de beauté, figurez-vous. Oh non, mais vous me gâtez comme un enfant, là. Alors que ma vie est déjà de l'autre côté du versant. Oui, c'est une citation. Oui, Tchekhov, oncle Vania. C'est une réplique d'Astrophe, le médecin. Voulez-vous voir mon bouillon de poule, mauvais enfant?
Ah. Pourquoi mentez-vous, Lydia ? Moi ? Oh, vous n'êtes pas caissière. Vous êtes une cuisinière. Oh. Et un cordon bleu de premier ordre. Vous n'aurez aucun mal à déguster mes boulettes de viande. Je les ai préparées ce matin. Je les ai fait mijoter. Et pendant que vous mangez, je vous raconterai les derniers potins de la clinique. Surprenant. Imprévisible, en tout cas. Mes rapports avec mes voisines sont passés au beau fixe. Elles suivent mon exemple. Elles se promènent avec moi la nuit dans le jardin. Résultat. La page nocturne. Et puis moi, je ne saute plus par la fenêtre. Mademoiselle Velta m'a confié un double de la clé du dortoir. Non, il est temps que je reprenne les rênes, hein. Oh, vous devriez vous en féliciter. Nous formons une communauté solidaire et harmonieuse. Dès le matin, nous en tenons joyeusement à cœur. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Et chantez, ça aiguise l'appétit. Alors, vous les appréciez, mes croquettes? Mes boulettes, mes paupiettes. Et vous semblez les aimer. Hein? Ah, vous en avez pas une deuxième. Mais dites-moi, il y a de l'ail là-dedans. Ah non, mais dans une proportion subtilement dosée. L'art de la cuisine n'a pas de secret pour la cuisinière. Hein? Oh, mon mari aussi les aime beaucoup. Et votre parapluie, où est-il? Non, vous savez que j'étais jusqu'à imaginer que votre malaise avait été causé par la peur de me voir casser votre précieux pépin. Mais non, voyons. Mais non, je vous l'ai déjà dit, mon cœur me joue parfois des tours. Vous savez, je l'ai guère ménagé, ce cœur, hein, j'ai fait deux guerres. Non, vous avez fait la guerre civile. Oui, mais c'est pas rien. Et puis, enfin, tout le reste. J'étais encore un gosse quand je me suis battu à Petrograd contre les armées blanches de Yudenich. Oh. Un gosse qui a tenu bon contre la famine. L'époux, le froid, le blocus, le typhus. Une sacrée entrée en matière. Après, je me suis lancé dans une longue suite d'années d'études. On étudiait, on crevait de faim, de froid et de fatigue, mais on s'amusait bien. On lisait Mayakovsky, on discutait Meyerhold, on contestait Essénine. Je me souviens avoir passé des repas, enfin, qu'on appelait des repas à l'époque, hein, afin d'amasser assez d'argent pour me payer un pantalon neuf. Oh, ça, j'en ai rêvé de ce pantalon. Et quand enfin j'ai pu l'avoir, je l'ai brûlé le premier jour avec ma cigarette. Oh. Un trou gros comme ça à l'emplacement du genou. Eh bien, moi, à cette époque, je faisais du théâtre. Oui, avant d'être caissière, j'ai été actrice, entre autres emplois. Ah bon, alors je commence à y voir plus clair. Oh, hein. Mais je ne jouais pas n'importe quoi. Avec un groupe d'étudiants, nous présentions les Enfants du Soleil de Gorky. On voyageait dans les wagons à bestiaux, les camions militaires, à cheval, en carriole, à travers toute la Russie. On jouait n'importe où, dans des vieilles salles, des marchés, des champs de foie. Et même sur des quais de gare. Oh, quand je pense à tout ce que j'ai pu faire, même quand j'étais gamine, on tenait à Mamontovka, nous avions des voisins. Des gros commerçants, des spéculateurs, des profiteurs. Alors la nuit, pour les effrayer, pour les embêter, je me recouvrais d'un drap, je sautais la palissade et j'allais faire le fantôme dans leur jardin. Ça a marché. Non. Un beau matin, ils ont fait leur valise, on les a plus jamais revus. Mais quel âge aviez-vous quand vous vous livriez à ce genre d'exploit? Je devais avoir 14 ans. Ah. 3 ans après, j'étais mariée. Et 1 an plus tard, j'avais un fils. Si jeune. Ouais. Mais votre mari était déjà acteur à cette époque? Ah non, non, à cette époque, c'était un autre mari. Quand je repense à ces premières années de ma vie de femme, oh, il me semble que j'étais toujours en train de me marier. Oh, dis donc, c'est plutôt dangereux d'avoir affaire à vous. Non, c'était avant la guerre. Ah. Après, je suis devenue raisonnable. C'est une question de volonté. Après 1945, je ne me suis mariée qu'une seule fois. Mais que faisait votre tout premier mari? Nijinsky, rien. Il n'avait jamais rien fait de sa vie, il continuait sur sa lancée. Dès que mon fils est né, j'ai su que je n'avais plus besoin de mari.
Mais vous ne croyez pas qu'il aurait été bon pour lui d'avoir un père? Oh, pas un père comme celui-là. Oh. Sierzynski était un abruti intégral. Idiot de naissance, oh non. Il n'aurait pas fallu que mon fils grandisse beaucoup pour qu'il s'en aperçoive. Il ne m'aurait jamais pardonné de lui avoir choisi un père comme celui-là. Mais alors pourquoi l'avez-vous épousé? Par amour. Oh, j'étais follement amoureuse de lui. Oui, mais pourquoi? N'est-on jamais pourquoi on tombe amoureux? Mais j'ai toujours été sincère avec moi-même. J'ai toujours regardé la vérité en face. Et cette vérité, elle était aveuglante. Sierzynski, mon premier mari, était un imbécile. Je me suis mariée pour la dernière fois, il y a 20 ans. Et j'aime mon mari avec tendresse et dévouement. Vous êtes rassurée? Plus ou moins. Mais enfin, vous avez tenu le coup 20 ans, hein? Et vous? Combien de temps avez-vous aimé votre femme? Toute ma vie. Toute votre vie? Oh, intéressant, ça. Une fois, je l'ai portée dans mes bras pendant 8 kilomètres. Eh ben, dites donc, vous étiez solide en ce temps-là. Et pourquoi faisiez-vous cela? Parce que j'en avais envie. Ouais. Elle dormait comme un petit chat. Mmh. Indifférente, en somme. Non, je crois pas, non. Quelques mois après, elle m'a donné une fille. Oui, pendant 10 ans, nous n'avions pas pu avoir d'enfant. Et puis, brusquement, une petite fille. Une petite fille qui souriait tout le temps. Katia. Katiusha. Quand la guerre a éclaté, elle avait 6 mois. Quand la guerre a éclaté, mon fils était déjà un grand garçon. 14 ans. Et un très beau garçon, indépendant, débrouillard, gay. Il me regardait et il éclatait de rire. Mais pourquoi ris-tu, espèce d'idiot? Tu ne le sais pas, Mamichka? Mais c'est parce que tu es la femme la plus drôle du monde. Tu joues des drames, bien sûr, parce que tu es une bonne actrice, mais ils ne savent pas, tes gens de théâtre, qu'ils tiennent en toi la plus grande comique de toutes les républiques soviétiques. Il me sautait au cou et il m'étouffait de baiser. Mais où est-il maintenant? Il a été tué près de Königsberg, dans les dernières heures de la guerre. Il n'avait pas 18 ans. Moi, à ce moment-là, j'étais sur le front près de Berlin, avec une troupe de théâtre aux armées. Oh, si proche l'un de l'autre, après avoir été séparés si longtemps et sans nouvelles. Oh, tout le monde fêtait la victoire. Mes camarades chantaient, dansaient. Et moi aussi, j'étais heureuse. Je ne me doutais de rien. Oh, tout ça est absurde. J'ai beaucoup bavardé. J'aurais pas dû vous déballer tous mes malheurs connaissant votre état. Quoique apparemment, il n'y a rien d'inquiétant. Vous paraissez même tout à fait d'accord. Tout de même que je vous laisse vous reposer. Oh, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au cirque. Eh oui, il y a un cirque de passage. Et puis j'ai une amie qui participe au spectacle. Une amie divorcée depuis peu. Alors, elle va se sentir bien seule. Allez, il faut que je vous laisse. Oh, j'avais oublié. Les bonbons que vous aimez. Oh, merci, Lilia. Oh, ce sont les meilleurs. Mais pourquoi m'avez-vous apporté tout ça? Si moi je ne le fais pas, qui d'autre le fera? Hein? Avec toi ce soir, je veux rêver. Oh, non mais c'est vous?
Vous êtes de retour? Vous êtes rentré par cet orage. Vous êtes bien guéri, au moins. Oh, tout à fait reposé, en tout cas. Et prêt à reprendre le bonheur. Oui, bien sûr. Je vous ai sauvé 3 jolies petites fleurs. C'est vrai? Mais c'est merveilleux. Pourquoi êtes-vous seule? Mais les autres sont partis au concert. Et puis celles qui n'ont pas voulu sortir regardent la télévision à côté. Moi, j'ai préféré rester ici à écouter la pluie. Oh, je le savais. Quelque chose me disait que vous alliez revenir ce soir. Ah oui? Quoi? Je sais pas. Vous entendez? Ah oui. C'est la tempête en mer. Oh, tout à l'heure, je suis allée jusqu'à la plage. Il n'y avait personne. Une vague a renversé la cabine de bain. Oh, j'ai été trempée, j'ai eu peur, j'ai eu froid, on s'en courant. Vous pouvez aller à la plage par un temps pareil. Vous êtes incorrigible, hein? À votre âge, vous vous conduisez comme une gamine. Non, mais vous défrise, mon ange. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Comme l'a dit un de ces Français si intelligent, c'est ennuyeux de vieillir, mais c'est notre seule possibilité de vivre longtemps. Vivre longtemps, hein, c'est pas sorcier. Mais bien vivre, ça, c'est une autre affaire. Et vous l'avez bien vécu, vous, votre vie, ces jours derniers? Merveilleusement. Chaque matin, je rêvais de votre bouillon de poule. Mon bouillon de poule, ce n'est rien. Si vous goûtiez à mes choux farcis, on les apprécie partout, mes choux farcis. Mon mari les aime beaucoup. Oh, je me surprends de plus en plus souvent à penser à mon départ. Non, vous savez, j'ai dépassé la moitié de mon séjour. Bientôt, je serai loin et vous, vous resterez cloués ici à réfléchir. C'est drôle, non? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? La vie est drôle. Enfin, il faut s'efforcer de la trouver drôle. En ce qui me concerne, moi, j'ai pris des grandes résolutions. Dès mon retour à Moscou, j'ai décidé de changer le papier peint de ma chambre. Oh, oui, j'en veux un qui soit clair, ok? Et puis je changerai les meubles de place. Je pousserai le lit à la place de la table et l'armoire à la place du lit. Un excellent exercice physique. Moi, j'aime bien bousculer les gens et les meubles. Si vous voulez, je pourrais bien bouleverser l'ordre qui règne sûrement chez vous. Ah, trop tard. La chambre de ma fille est déjà prête. Moi aussi, j'ai tout changé, hein. Même le papier peint. Ah, je l'attends avec impatience, ma fille. Elle vit au Japon avec son mari. Elle travaille à notre mission commerciale au consulat. Je suis à l'extrémité de la Russie et elle est à l'autre bout du monde, à Tokyo. C'est drôle, hein, diriez-vous. Non, mais tout va aller très vite maintenant. Ça n'est plus qu'une question de jours. Elle vient passer ses vacances chez moi. Pour moi. La seule inconnue pour l'heure, c'est la date exacte de son arrivée. À chacun ses problèmes. Les vôtres graves, les miens futiles. Et tout de même, hein? Vous voulez savoir ce qui m'a causé des insomnies ces nuits dernières? Ah, oh, ça, je suis curieux de le savoir. J'ai apporté ici quelques robes, mes plus jolies robes. Ah non, elles me vont très bien. Elles me mettent en valeur. Eh bien, depuis que je suis ici, je n'ai pas réussi à les montrer. Oh, j'avais bien pensé à m'habiller pour la visite du musée, mais j'ai renoncé. Et puis, il faut reconnaître qu'avec ces robes-là, je ne passe pas inaperçue. Et voilà, je vais repartir sans avoir pu les mettre. Non, ça me met le poil à l'envers. Oh, bah évidemment, vous ne pouvez pas comprendre ce genre de regret, vous n'êtes pas une femme. Ah, ça, pour être exact, c'est exact. Mais quand vous serez de retour à Moscou, je suis sûr que vous trouverez le moyen de les montrer, vos jolies robes. Pour aller au Bolchoï, ou à ce nouveau théâtre en vogue, comment s'appelle-t-il déjà? La Taganka, je crois. Peut-être. Bah, c'est dommage de les remballer sans avoir pu les mettre une seule fois ici. Ah. Non, trop. Oh, c'est une déception.
Oh, mais tout n'est pas perdu, tenez, pour le bal du sanatorium. Oh, ce ne sont pas des robes pour un bal de sanatorium, oh non. Oh, je ne ferai jamais une chose pareille. Oh non, oh, non vraiment, alors là, ça manquerait de tact. Vous aimez les restaurants? Vous savez, moi, je ne suis pas un habitué des cantines ou des self-service. Je préfère manger chez moi. Oh, il ne s'agit pas de manger. Quand je parle d'un restaurant, je pense à un endroit où l'on peut s'amuser, danser, boire du champagne, peut-être. Faire une entrée remarquée avec une nouvelle coiffure. Ou une robe qu'on porte pour la première fois. Qu'en dites-vous? Moi, rien. Non, moi, ça fait des années que j'ai pas inauguré de nouvelle coiffure ni porté de nouvelle robe. Non, mais je suis sûr qu'après une si longue absence, dès votre retour à Moscou, votre mari sera ravi de vous emmener dans ces endroits-là. Ça m'étonnerait. Et pourtant, nous serons de retour à Moscou ensemble, lui et moi. Curieuse coïncidence. Mais à Moscou, il est toujours si occupé. Alors ça, décidément, je ne comprends rien à votre couple. Vous avez l'air d'avoir tous les deux une étonnante conception de la vie conjugale. Hein? Qu'y a-t-il d'étonnant? Se marier, c'est facile, mais le rester, c'est une autre affaire. Au fait, savez-vous qui est mon mari? C'est un clown musicien. Très célèbre. Oh, quelle chance! Être la femme d'un clown musicien. Et très célèbre en plus. Oh, parce qu'il y a de raison d'en être un clown. C'est un grand artiste et un musicien remarquable. Oui, mais... La fascination qu'il exerce en public. La première fois que je l'ai vu, j'ai été subjuguée. Il avançait dans son costume tout blanc, comme dans un rêve, en soufflant dans sa clarinette. Et tout d'un coup, sans que l'on sache comment, la clarinette s'envolait. Alors, il sortait de sa poche un tout petit violon. Et la musique reprenait. Et le violon disparaissait à son tour. Et brusquement, un accordéon surgissait mystérieusement entre ses bras. L'orchestre reprenait l'air avec lui. Et la musique envahissait tout le cirque. Oh, c'était magique. Je suis tombée dans le piège. J'étais encore jeunette, c'est ma seule excuse. J'avais pas 40 ans. Et puis je commençais à être déçue par le théâtre. Non, je vous raconterai ça une autre fois. Alors, à vos jours, j'ai tout quitté. Je suis partie avec lui. Oh, il était si bon, si tendre, si délicat. Il avait compris que moi aussi, j'avais besoin de succès et d'applaudissements. Il m'a fait débuter sur la piste. J'apparaissais dans une longue cape en lamé argent qui flottait sur mon maillot rose. Je portais un diadème sur la tête. L'orchestre attaquait l'ouverture. Je saluais et je chantais. Et la clarinette fait le clair de trop fort. Je préfère les castagnettes qui lui font rac, 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 pendant qu'il fait bon. Tagadagada pam pam pam. Tagadagada pam pam pam. Ah, bravo! Alors ça, je regrette de ne pas vous avoir vu dans ce numéro-là. Non, ce n'est plus qu'un souvenir. Mais je resterai toujours reconnaissante à mon mari de ce qu'il a fait pour moi. C'est pas seulement un grand artiste, c'est un homme de cœur. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas plus souvent ensemble? Il est marié avec une autre femme. Depuis longtemps maintenant. Non, mais comment c'est un marié? Marié, légalement marié. Il n'y a plus rien à faire. Non, mais c'est idiot, votre histoire. Vous croyez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Comment ça? Il est tombé follement amoureux d'une autre femme. Ou elle-même. Est-ce de sa faute? Pas du tout. Et puis, il faut reconnaître
qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Non, mais écoutez, là, ça c'est un con. Enfin, oh, mettez-vous à sa place. Oh, non, mais pour rien au monde. Pas du tout de votre époque, vous savez. Non, vous m'étonnez. Mon mari s'est toujours conduit très tendrement avec moi. Il m'a jamais rien caché, il m'a jamais menti. Il est parti avec une autre femme. Non, ce qu'il faut entendre. Bah, oh, naturellement. Elle m'a remplacée aussi sur la piste. Oh, j'ai tout de même regretté mon beau costume en lamé argent. C'est moi qui l'ai amené à ses yeux. Oh, que voulez-vous, on n'y peut rien. Ah Elle était bonne musicienne. Hein. Elle avait le sens du rythme. Elle faisait bien quelques fausses notes. Elle était si bien faite, divine. Et alors, c'est comme ça que vous vous êtes retrouvée caissière? Oh non! J'ai voulu réagir. J'ai monté mon propre numéro et je l'ai présenté pendant près d'un mois. J'ai même eu des compliments. Et ensuite? Mais ils m'ont pas engagée la saison suivante. Bon, rester sans rien faire, c'est pas mon style. Alors, quand ils m'ont proposé d'être caissière, j'ai dit oui. Vous savez, hein, dans le fond, j'ai eu beaucoup de chance. J'aime tellement le cirque. Lydia. Oh, si c'est de la pitié, hein, votre geste est stupide. J'ai de très bons rapports avec mon mari. Si tout le monde pouvait avoir les mêmes. Ah, tenez, avant de partir en vacances, il m'a emprunté 150 roubles. Et il va sûrement me les rendre. Oui, oh, ça sûrement. Mais ah, ça, c'est certain. Tout. Oh. Non, du calme, calmez-vous. Non, mais quel temps. Calmez-vous. Je voulais encore vous dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Lydia Vassilievna, si vous le voulez bien, je me propose un soir prochain de vous inviter à dîner au restaurant. Je meurs d'envie de voir les belles robes que vous n'avez jamais portées depuis que vous êtes ici. Sana vous avait repéré. Surtout quand vous avez dansé la gifle. Oui. Vous auriez passé un sale moment. Heureusement que vos malades sont disciplinés, exemplaires. Ils dorment sur commande, vous en prescrit par leur règlement du sommeil. Qu'est-ce que vous avez à tourner comme ça? C'est, non, mais je cherche mon chapeau. J'ai dû l'oublier au restaurant. Vous tenez à la main. Sauvé. Posez-le sur votre tête et vous rentrera dans l'ordre. Oui, vous avez raison. Mon chapeau sur ma tête, vous à mon bras, me voilà en sécurité. Pourquoi on va nulle part? On est rudement bien ici. Oui, c'est vrai. Eh bien, tenez, allez, asseyons-nous là. Voilà qui est fait. Vous avez montré vos belles toilettes. Et vous en plus. Oh. Elles m'ont ébloui. Et le champagne était délicieux. Ce soir, je vois la vie sous un autre jour. Et je me dis, bravo mon coco. Bravo mon coco. C'est très bien dit ça. Mais je vais vous faire une confidence. Jamais je me serais cru capable d'être encore gai, léger, joyeux. Ça fait si longtemps. La gaieté, c'est le premier pas vers la santé. N'oubliez pas ce dicton, docteur. Faites-en un écriteau et accrochez-le à la porte de votre bureau. Il fera pas long feu à la porte de mon bureau. Oui. On le jettera à la poubelle. Mais qu'est-ce qu'on jetterait à la poubelle? D'abord le dicton, ensuite le docteur. Non. Oh, ils auront au fait de se débarrasser du tout. Mais ils n'oseraient pas. Mais comment? Et qui ferait cela? Les aigris, les ratés, ceux qui n'ont pas d'humour. Enfin, les autres. Il faudrait les tuer tous. Oh, ils sont trop nombreux.
Et si nous prenions tranquillement le bateau pour Tallinn, hein? Allez, 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 là maintenant, tout de suite. Vous savez bien que c'est pas possible. Dommage. Oh, tout le temps, il commence à faire frais. Ça, la nuit est tombée. Ah oui, il y a plein d'étoiles dans le ciel. Oui, mais je crois qu'il va pleuvoir. Je m'en fous. Les étoiles, la lune, la pluie. Cette nuit, tout me ravit. Oh, mais vous faites des vers. Et le bateau pour Libaïa. Si nous prenions le bateau pour Libaïa. Bateau pour Libaïa. Oui. Mais là non plus, nous n'y arriverions pas et nous en empêcherions. Qui? Les aigris, les amers. Oh, nous leur survivrons, là, nous les balancerons. Il y a quand même des gens sympathiques dans le monde. Oui, bien sûr, mais ils dansent n'importe comment. Vous les avez vus. Je n'ai pas remarqué, ils étaient trop nombreux. Mais dites-moi. Qu'est-ce qu'il avait à fixer mes pieds, ce type-là, avec son costume à fond? C'est un twist! Un twist? On se plie, on se trémousse, on s'accroupe! Il paraît que c'est une réaction contre la télévision. Après être resté engourdi pendant des heures dans un fauteuil, on éprouve le besoin de remuer frénétiquement. Quelques mouvements légers d'abord, puis des contorsions plus marquées, une sorte de folie pour extirper les grands. Oh, c'est pas la peine que je vous explique, c'est déjà passé de mode. Oh ben, alors là, vous montez tout courage. Non, mais d'ailleurs, les autres danses modernes me semblent encore plus difficiles. Oh yeah! Oui, oh yeah. Tenez justement, celle-là. Oh yeah. Voilà, tout le monde frappe des pieds et en même temps, mais où est la mesure? Moi, j'arrive pas à trouver le rythme, c'est agaçant quand même. Oh yeah! Ah là, y a rien à expliquer, hein. Vous abandonnez à la musique, ça nous ça vous réveille, la vitalité, hop là! J'improvise, je m'exprime. Oh yeah! Alors, comment c'était? Oh non, bah c'était très drôle, mais un peu indécent. Oh, c'est vrai, vous êtes un sacré fossile. Un dinosaure, un conformiste. Parce que vous avez dû être coincé dans votre jeunesse, hein? Alors ça, n'en croyez rien. Moi qui vous parle, hein, à l'époque de la neige, j'ai dansé la Kamerinskaya jusqu'à l'épuisement. Quoi? Si, c'était ma façon de protester par les danses de chez nous contre l'indécence du jazz qui faisait fureur à l'époque. Vous n'avez jamais dansé sur du jazz? Je vous aussi. Mais ça ne m'empêchait pas de condamner ces stupidités et ces trémoussements. Oh, mais je suis sûr que vous n'avez jamais dansé sur du jazz. Ah, vous n'avez jamais le rythme, l'entrain, la folie qu'il faut pour ça. Enfin, si je vous dis que j'ai dansé, c'est que j'ai dansé, voyons. Si vous le croyez ou non, le jazz n'avait pas de secret pour moi à l'époque. Prouvez-le. Comment? En faisant une démonstration de swing. Où? Ici, maintenant. Allez-y. Bon. Allez. Voilà. Et au début, c'est un peu ça. Oh non, mais écoutez, j'ai un peu oublié, mais ça va revenir. Non, je peux pas. Oh, mais vous vous dégonflez. Hein? Je l'aurais parié. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas le rythme en tête. Qu'à cela ne tienne. Plus fort. Ah non, pas question. Plus fort, la musique. Va nous emmener à la police. Moi, je m'en fous. Quand je suis lancé, je suis lancé. Alors, vous voyez, hein? Oui. Ça revient. C'est pas génial, mais ça revient. Le swing est une danse passionnée. Il faut être entraîné par un partenaire. Cela signifie que vous voulez que je danse avec vous? Il le faut. Est-ce qu'il y a une patrouille de police? Oh, ça, je m'en fous. Moi, je peux plus m'arrêter quand je suis lancé. Mais chantez pas comme ça. Hein? En douceur. Oui. En douceur. Eh bien, vous voyez, hein? Nous dansons et même très bien. Et hop là. Et voilà. Ça suffit comme démonstration. Alors, vous avez vu? Oui. Ça a marché, hein? Oui, enfin, comme ci, comme ça. Le comble, c'est que j'avais jamais dansé ce truc-là. Dans les autres danses, je les avais vues il y a une dizaine d'années, mais... Non, je peux ce que je veux.
Vous pourrez même danser le tango si vous l'ordonnez. Je vous crois sur parole. Et là-haut, non, n'allez pas risquer une crise cardiaque. Écoutez la musique. On repart à l'attaque. Regardez, je danse le tango. Comme ça. Ah ben il faut ce qu'il faut. Voilà. Il faut rester gracieux. Voilà. Alors, vous me trouvez gracieux? Allez, pause, j'entrape. Bien joué. Ah, ça a été... Mais ça a été magnifique. Ah, on ne pouvait faire mieux. Vous êtes un as. Je suis tout à fait de votre avis. Et si nous prenions tranquillement le bateau pour Saaremaa? Ah, vous avez de la suite dans les idées, Rodion. J'aimerais bien. Mais qu'en penserait-on autour de nous? Oh, à notre âge. Oh, comment ça, à notre âge? Mais... savez-vous que vous êtes encore une personne dangereuse? Sûrement, mais pas pour vous. Avez-vous oublié votre misogynie? Oh, je n'ai jamais été misogyne. Mais existe-t-il au monde une femme qui se puisse comparer à... Oh non. Non, elles se sont toutes évaporées. Vraiment. Elles se sont toutes évaporées. Les hommes aussi se sont évaporés. Oui. Évaporés, disparus, les hommes, les femmes. Plus rien sur cette terre. Effrayant quand on y songe. Pour nous, cela n'a pas d'importance. Tous les deux, nous avons été aimés, nous avons aimé. Cela nous suffit. Enfin, ça devrait nous suffire. Ça nous suffit. Vous voyez cela? Et vous? Moi, j'essaie de m'en persuader. Oui. Enfin, je suppose que cela doit nous suffire. Moi aussi, je le suppose. Nous le supposons, tous les deux. Oui, enfin, nous le supposons, un point, c'est tout. Bien qu'il y a des idiots qui osent parler de leur peur, de la solitude. Non. Des esprits faibles. Pas nous. Moi, la solitude, je ne la crains pas. Enfin, pas vraiment. Bon, moi non plus. Quoique certains soirs... Oui, moi aussi. Certains soirs... Ah non, mais rien. Un passage, un moment. Oui, un nuage. Presque imperceptible. Et puis, qui s'efface. Vous n'avez pas ouvert la bouche et brusquement vous éclatez de rire. Pourquoi? Non, je nous trouve... Mais je nous trouve étonnants tous les deux. Depuis plus de 2 heures, nous nous promenons
et nous n'arrivons pas à nous arrêter. Ça, étonnant, vous pouvez le dire. Et même au-delà de ce que vous imaginez. Tenez, voilà le premier lever de soleil devant lequel je m'extasie. Ah, n'est-ce pas que c'est beau? Vous me feriez faire n'importe quoi. J'ai l'impression d'être sur le bord d'un précipice. Tout à l'heure, vous m'avez forcé à danser dans la rue. J'ai eu raison. C'était un spectacle mémorable. Effrayant, oui. Pas du tout, très drôle. Et si on m'avait vu? Si un de mes collègues était passé par là? Le curieux chef qui a peur de tout et de n'importe qui? Avec vous, j'ai peur de rien. Bravo! C'est comme ça que je veux vous voir. Vous savez que je vais bientôt partir. Où étiez-vous passé hier toute la journée? J'ai pas osé vous le demander. Où étiez-vous? J'avais quitté le Sana pour aller opérer à l'hôpital. Vous opérez souvent? Je ne savais pas. Oui, je suis chirurgien. Ça m'oblige à garder la main. Le manque de pratique, c'est la mort professionnelle. Un chirurgien est comme un soldat. Il doit être toujours prêt, disponible pour toutes les éventualités. Le cimetière militaire. Enfin, le cimetière de la guerre. Mais ne nous attardons pas. Pourquoi? Ce cimetière est beau, paisible devant la mer. En octobre 44, il y a eu ici une terrible bataille. Les Allemands étaient retranchés là, sur la plage. Nous avons eu des pertes énormes. Et tous ceux des nôtres qui sont tombés ici ont été enterrés là. Vous vous êtes battu ici? Non, non, pas moi. Non, on m'a raconté. Vous êtes fatigué? Après la mort de mon fils, je me suis aperçu que je ne pouvais plus simuler la souffrance au théâtre. Se servir de la mort ou du malheur pour essayer d'attendrir les gens me paraissait sacrilège. C'était au-dessus de mes forces. Le siècle, moi, c'était gai. Tout le monde criait autour de moi, faisait des blagues, racontait des histoires idiotes. Comme si leur mission était de distribuer de la joie. Ça a été ma convalescence et mon salut. Ah, c'est pas très facile à comprendre. Oui, oh, je sais. Mes amis non plus n'ont pas voulu comprendre. Mais dans le fond, je suis une nature optimiste. Ah. C'est peut-être de la faiblesse. Pourquoi riez-vous? La première fois que je vous ai vu, j'ai eu envie d'éclater de rire. Comme ça, un accès de gaieté. Bon, je ne sais pas si je dois me sentir flatté. C'est après-demain que vous devez partir, n'est-ce pas? Oui. Nous arrivons au bout. Je commençais à m'habituer à vous. Vous vous déshabituerez. Oh, sans doute. Cela vous réjouit? Non. Ça me rend triste. C'est vrai, ça me rend triste, c'est idiot. Pourquoi votre femme vous a-t-elle quitté? Que s'est-il passé entre vous? Elle est partie à la guerre et elle n'est pas revenue. Elle était chirurgien, comme moi. Nous avons été envoyés dans deux zones différentes. La dernière fois que je l'ai revue, c'était en 41. Deux fois, elle a été blessée. Deux fois, elle est repartie au front. En 44, ils l'ont tuée. Nous avions vécu 3 ans séparés à des milliers de kilomètres. Elle avait dû changer pendant ces années-là. Je ne peux pas l'oublier. Et puis quand je suis revenu à Leningrad, notre fille venait d'avoir 6 ans. Nous nous promenions, la petite et moi, je la tenais par la main dans les jardins publics, nous jouions au ballon dans les allées. Partout, je la voyais. C'est pourquoi vous avez quitté Leningrad. C'était votre ville, pourtant. Vous y aviez votre maison, vous vous y plaisiez. Oh oui, beaucoup. Et avant, est-ce que vous avez été heureux? Enfin, je veux dire,
avant la guerre. Je crois. Peut-être. Moi, je ne sais pas si j'ai jamais été heureuse une seule fois dans ma vie. Guerre l'été, je le suis. Mais les gens totalement heureux, ça n'existe pas. Ou alors on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne les rencontre pas. Moi aussi. Une fois, j'ai rencontré un couple heureux. Un soir tard à Moscou, dans la rue Arbat. Ils marchaient lentement. Ils étaient âgés tous les deux. Très calmes, très soignés. Lui la conduisait par le bras. Et tout d'un coup, ils se sont mis à rire aux éclats. Et vous les avez enviés? Oh, oui. Moi aussi, je les aurais enviés. Je suis venue souvent promener par ici. Sergent Pierre Akimov, né en 1924, décédé le 25 octobre 1944, 20 ans. Alors sur cette tombe, il y a toujours un petit bouquet de fleurs fraîches. Quelqu'un doit venir le déposer chaque jour. Nina Semyonovna, médecin-major, née en 1912, décédée le 25 octobre 1944, 32 ans. Je vous demande pardon. Mais ce n'est rien. Pas vu que la pluie s'est arrêtée? Je n'ai pas remarqué. Vous n'avez pas honte? Honte? Et pourquoi? Mais je vous ai cherché partout. Introuvable. Où étiez-vous? Quand? Mais enfin, toute la journée, et aussi celle d'hier. Voilà deux jours que nous ne nous sommes pas vus. Où étiez-vous? Je me promenais. Quelques excursions. J'ai parcouru les environs. Non, c'est pas vrai. Vous mentez. Vous ne vouliez pas me voir. Vous vous êtes caché. Pourquoi? Oh non, je ne me cachais pas. Je voulais faire un peu de tourisme. Oui. Après tout, je suis en villégiature, non? Et là? Qu'est-ce que vous faites, là, assis sur votre valise, recroquevillé sous votre parapluie, habillé n'importe comment, là, à côté d'un sac de pommes? J'attendais que la pluie s'arrête pour aller chercher un taxi. Et les pommes sont pour mon mari. Il les adore. Votre train ne part plus tard dans la soirée, alors vous aviez tout le temps. Oh, justement. J'avais le temps de me promener dans la vieille ville, ouais. En bas de la cathédrale, de faire un tour à la pâtisserie et de goûter enfin à vos fameuses brioches au pavot. Vous n'avez même pas daigné me dire adieu, hein? Vous avez profité de ce que j'étais allé opérer en ville pour quitter le sanatorium comme une voleuse. Oh! Oh, ça, je suis pas partie clandestinement, hein? J'ai averti le bureau de mon départ. J'ai signé tous les bulletins de sortie et, ouais. Et Dieu sait s'il y en a. J'ai remercié tout le monde. J'ai serré des dizaines de mains. Ah, pas la mienne, hein? Ça, vous n'y avez même pas pensé. J'ai pas voulu. Exprès. Pourquoi, Lydia? Pourquoi? J'agis souvent comme ça, sans me poser de questions. C'est tellement plus facile. De toute façon, mon séjour se termine aujourd'hui. Non! Non, vous l'avez dit vous-même, vous disposiez encore d'une dizaine de jours de congé. Je pouvais très bien prolonger votre traitement d'une bonne semaine. Oui. Je vous l'ai proposé. Et pourquoi faire? Vous n'êtes pas encore totalement rétabli. Artériosclérose. Non, cessez de me rappeler mon artériosclérose. Mais... Oh. De toute façon, il est trop tard.
Mon lit a été attribué à une autre malade, ma valise est bouclée. J'ai embrassé mademoiselle Velka. Enfin, voulez-vous me dire ce qui vous rappelle à Moscou brusquement? Mon mari arrive dans quelques jours. Ah. Il m'écrit qu'il veut me voir. Il en rêve, paraît-il. Ah, bah si je me rappelle bien, il n'y a pas si longtemps, il avait d'autres rêves, non? Oh, vous comprenez rien à rien. Et vous? Vous me mentez une fois de plus. Peut-être. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est vrai. Que faire d'autre? Non, m'en veuillez pas, Lydia. Je regrette de vous avoir parlé sur ce ton. Et puis, de quel droit j'ose vous faire des reproches? Je vous demande pardon. Oh, tout va très mal aujourd'hui. Très mal. La fermeture éclair de ma valise, là, elle est cassée. Oh, ça, c'est embêtant, mais c'est réparable. Oh, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Moi non plus. Voilà. J'ai reçu une lettre de ma fille. Qu'est-ce qu'elle vous écrit? Elle ne vient pas. Il est arrivé quelque chose? Mais non. Enfin, dites-moi ce qui se passe. Écoutez, on n'en finirait pas, je vous l'ai dit. Elle vit au Japon avec son mari. Ils venaient passer régulièrement leur congé chez moi, c'était devenu une habitude. L'année dernière, déjà, ils n'ont pas pu venir. Alors, je comptais beaucoup sur ces vacances d'automne. Ils ont préféré aller dans un endroit plus à la mode, à Yalta. Je m'étais tellement préparé à leur visite. J'avais trouvé un alcool de prune. Puis j'avais acheté un nouveau canapé. Enfin bref, je suis déçu. Je suis très triste. Pauvre Rodion. Oui, vous pouvez le dire. Le pauvre Rodion. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là quand il n'y a plus rien d'autre à dire. À quoi pensez-vous? À rien. Comme vous. Attendez. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. C'est une idée qui vient de me passer par la tête. La chambre de ma fille est prête. Je vous l'ai dit, je viens de l'installer. Ces fenêtres donnent sur la mer. On n'y entend aucun bruit. Enfin, à part le cri des mouettes. Vous pourriez y passer une semaine. Mais vous ne me verriez même pas si c'est ce que vous souhaitez. Enfin, on pourrait peut-être quand même boire un verre de thé ensemble le soir. Boirons l'alcool de prune. Cherchez encore. Hein? Mes chemises! Depuis une semaine, vous avez changé la place de tout ici. Non, c'est beaucoup plus ordonné, plus agréable à voir, ça je le reconnais. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'habituer aux nouveaux emplacements des meubles. Et puis surtout, je retrouve pas mes chemises. Où sont-elles? Je les ai lavées hier, repassées et rangées dans la petite commode. Oh, mais il fallait pas. Moi, j'ai l'habitude de laver mes chemises moi-même. Ça m'occupe. C'est vrai, ça me rassure. J'y tiens. Non, mais c'est aussi votre passe-temps de laisser vos chemises et vos vestons sans boutons ni raccommodage. Ah, hein? Ça, je déteste le coup. J'ai toutes les peines du monde à enfiler une aiguille et quand parfois j'y parviens, j'arrive pas à arrêter le fil. Non, mais il semble d'ailleurs que ce soit inutile parce que mes boutons sont posés tout seuls. Voilà une quarantaine d'années que je recous des boutons sur des vestons d'appartenance diverses. Je suis très flatté. Très flatté que mon veston soit admis à rejoindre une compagnie si nombreuse. Bon, vous ne fâchez pas.
Vous perdez tout votre charme. Oh, il est tard. Lydia, avant de nous séparer, je voudrais lever mon verre à votre santé et joindre à ce geste un petit discours. Je vous écoute avec intérêt et patience. Lydia Vassilievna, je vous remercie. C'est tout ? C'est cool. Ah, vous m'avez promis votre attention. Alors, je répète mon compliment. Lydia Vassilievna Gerber, je vous remercie du fond du cœur. C'est mieux. Vous avez fait un effort. Oh, moi, j'ai toujours apprécié les discours laconiques. Moi aussi. Votre fromage était délicieux. Meilleur que celui que j'ai acheté. Ah oui, mais votre saucisson était meilleur que le mien. Hein. C'est à voir. Ah non, ça c'est tout vu alors. Vous avez déniché une anguille. Extra. Oh, elle vous va bien, cette cravate. Ça fait 30 ans que je l'ai. Elle est redevenue à la mode, il suffisait d'attendre. Et maintenant, à qui ? Et à quoi allons-nous lever notre verre? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, c'est votre tour. Doute. C'est une façon de boire à vos rodions. Parce que vous êtes arrivé dans ma vie au mois d'août. Avec la pluie sous les marronniers. Avec le lever du soleil sur la mer. Sans compter les gâteaux de la pâtisserie. Et les danses sous les étoiles. Vous m'avez donné tout ça. Et même ce bateau pour l'Ipaya que nous ne prendrons jamais. Ce mois d'août est pour moi une sorte d'aboutissement dans ma vie. Le bal des adieux. Je peux donc avec reconnaissance au beau mois d'août. Déçu. Oh, pourquoi me dites-vous ça? Mais parce que je bavarde trop. Mais non, mais vous êtes miraculeuse. Si, si, un miracle. Alors, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, je voudrais vous dire... Oui. J'ai aimé les fleurs que je trouvais chaque soir dans ma chambre. Et j'ai aimé aussi celles que vous avez continué à déposer chaque jour au cimetière. Ah, ça? Ça, je continuerai à les déposer, vous le savez. Chaque matin. Ça ne changera jamais. Je sais. Il faut être fidèle. Ça a été une belle semaine. Oh, très belle. Pourquoi riez-vous ? Je comptais le nombre d'années que nous totalisons à tous les deux. Et c'était drôle. Un peu, oui. La semaine a quand même été très bonne. Il va être le moment de partir. Oui. Le beau mois d'août est fini. J'ai affreusement peur. De quoi? La fermeture éclair de ma valise, elle s'ouvre tout le temps, elle est cassée. Non, mais je l'ai réparée hier. Alors c'est parfait. Je n'ai plus qu'à m'asseoir dans le train et me voilà partie.
J'adore les voyages. On se sent... libre, détaché. Oh, jusqu'au bout, moi je resterai une nomade. Libre, libre, totalement libre, sans attache, sans maître. Oh, quelle chance. Vous partez, c'est fini. S'il vous plaît, Moscou, soyez gentil, téléphonez-moi. Oh, je vous appellerai sûrement. Tout a été tellement, tellement bien, grâce à vous. Nous nous reverrons, vous croyez ? Oh oui, sûrement. Bonne chance, Lydia Vassilievna. Bonne chance. Docteur Rodion. Non, laissez ma valise. Non, n'y touchez pas. Je m'en charge. N'y touchez pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous là et ne bougez pas. Et surtout, surtout ne vous retournez pas. Les adieux sont finis. Thank you.